Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la respiration pour soutenir l'énergie des reins. Précédemment, nous avons vu dans une précédente vidéo le travail de la respiration des automassages pour soutenir les poumons. Donc, celle-ci fait la suite. Pour toujours nous préparer aux marches Shichirun qui font l'objet de prochaines vidéos. Donc, on reprend notre assise sur la chaise, réalignez bien le corps sur l'axe, vous connaissez maintenant, et vous commencez par simplement porter votre attention sur votre respiration sans chercher à la modifier. Laissez votre esprit se calmer. Votre respiration s'apaisait. Lorsque c'est fait, vous pouvez passer à la respiration du rein que je vais vous expliquer maintenant. Donc le rythme pour la respiration, pour soutenir l'énergie des reins, est différent de celui des poumons. Il va s'agir ici de faire 4 inspires courts par le nez, suivi d'un expire long par la bouche. L'expire va être plus long que pour la respiration pour les poumons. Je vous montre. On va toujours utiliser ce mouvement des mains pour s'aider à garder le rythme. Donc on va faire ce rythme de manière régulière, toujours les mêmes consignes, attention de ne pas avoir de gêne respiratoire, de ne pas avoir de sensation d'essoufflement, de ne pas rentrer dans de l'hyperventilation. Si jamais c'est le cas, vous arrêtez tout de suite et vous reprenez une respiration naturelle de manière à vous habituer très progressivement à ce type de rythme un peu inhabituel. On rentre dans la pratique.
Encore une fois. Posez tranquillement les mains sur les genoux. Gardez votre attention sur les reins que vous pouvez visualiser d'une couleur bleue très foncée comme une eau profonde. Ouvrez tranquillement le regard sur la main inspire. On va poursuivre, compléter ce travail de la respiration avec quelques automassages. On va commencer par le massage des reins, donc je vous montre le bout, mais vous pouvez faire ces exercices assis. On masse bien la zone des reins. Sentez la chaleur des mains qui se diffuse dans le bas du dos et en profondeur jusqu'aux reins. Vous massez la taille juste au-dessus du bassin. Là aussi, pour réchauffer, vous détendez les muscles du bas du dos. Et puis, pour compléter, vous pouvez masser avec le dos des poings, avec cette partie-là, les muscles de part et d'autre des lombaires. Si vous en avez pas mal, vous pourrez chercher à masser en profondeur. Vous pouvez légèrement pencher, arrondir le bas du dos. Puis on revient devant. Massez la taille. En passant juste sous le nombril. Puis vous terminez en plaçant vos deux mains l'une sur l'autre sous le nombril. Main gauche au premier pour les messieurs, main droite pour les dames. Si vous êtes debout, veillez bien à. Vous venez bien déverrouiller les genoux, voire réfléchir un peu, sinon vous pouvez aussi vous rasseoir. Vous fermez les yeux et vous rentrez dans une respiration abdominale. En vérifiant que vous mobilisez bien le bas-ventre. C'est important de mobiliser la zone sous le nombril et pas que la zone de l'estomac. Voilà, vous pouvez rester bien sûr beaucoup plus longtemps dans cette phase de respiration abdominale, ce qui sera très bénéfique pour l'ensemble de votre vitalité, en particulier pour les reins pour bien travailler, qui vous aidera aussi à vous apaiser. Voilà, on a fait le travail sur la respiration pour soutenir l'énergie des poumons. On vient de voir ce travail de la respiration pour soutenir l'énergie des reins. Dans de prochaines vidéos, on verra les marches Shishiru telles qu'elles sont transmises par le docteur Liu Dong, qui intègre ce travail de la respiration tel qu'on vient de voir sur des rythmes très particuliers, avec en plus un déplacement, avec un certain rythme qui s'associe aussi au déplacement des jambes.
Et donc c'est important que vous intégriez le rythme de la respiration des poumons, le rythme de la respiration des reins pour être plus à l'aise dans le travail des marches Shishiro. On se retrouve prochainement pour découvrir ces exercices. Merci, à bientôt.